Freestyle TV, on est mercredi 26. Ça c'est le super travail de Net Concept, hein. C'est les gens qui ont racheté la maison. Je vous ai déjà montré un petit peu, ils sont parvenus depuis, hein. Ça fait 3 jours que c'est comme ça. La police est passée tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec eux, voilà. Donc là on est face à un problème assez grave en fait, hein. Parce que j'ai décidé de pas le diffuser sur YouTube parce que ça fait partie de la vie privée du Premier ministre, mais j'ai un enregistrement avec Cédric, hein, dont je vous ai parlé plusieurs fois, et puis le Premier ministre. Donc ça fait 10 ans, plus de 5 ans en tout cas, qu'ils sont en communication tous les deux. Même pendant son mandat de ministre, hein, il l'appelait tout le temps. Et puis hier soir, il est venu chez moi, Cédric, avec une bouteille de vodka, on a picolé, et puis à un moment ça lui a pris comme ça, et il a dit vas-y, on lui fait une entourloupe. Bon, il a jamais voulu me donner son numéro, hein. Moi, il faut comprendre que Cédric, je lui ai expliqué plusieurs fois mes recherches, j'ai écrit une lettre à Castex, hein, où je lui expose ma théorie, donc ma découverte même. Donc voilà, moi l'un comme l'autre, en fait, je leur demandais de me prendre au sérieux. Hein, et en fait, ils ont un jeu tous les deux, un rapport assez pervers, hein, faut dire ce qui est. Hein. C'est une drôle de relation. Hein. Et donc j'ai un petit enregistrement de 3 minutes, où on entend la voix du Premier ministre avec Cédric qui lui parle. Voilà, de choses un peu ambiguës. J'ai décidé de pas le mettre sur YouTube parce que je veux pas me faire attaquer pour divulgation de la vie privée par Castex. Il pourrait très bien m'attaquer pour ça. Je pense que voilà, la liberté d'expression, la liberté d'informer, elle a ses limites, je pense, à ce niveau-là. Je préfère être prudent. C'est-à-dire que quand je vais filmer un policier ou je vais filmer une secrétaire ou une assistante sociale ou que sais-je, le risque il reste minime. Là par contre il s'agit quand même du Premier ministre, hein, et d'un jeune à la côte rep. Donc voilà, déjà j'en parle. Déjà c'est déjà suffisamment risqué. J'ai décidé de pas diffuser la vidéo, sauf si vraiment le dialogue n'arrive pas à se faire, hein, parce que je l'ai fait écouter aux policiers, ils ont assez halluciné quand même. J'en ai parlé, j'ai eu l'huissier au téléphone, donc il doit venir m'expulser lundi, et je ne lui ai pas encore envoyé de mail pour lui expliquer la situation, clairement. Donc je lui explique à chaque fois à l'oral, mais jamais à l'écrit, jamais. Bon, il a jamais eu vraiment il est obligé de me croire sur parole. Donc après, c'est vrai qu'après la guérison de ma calvitie, là j'arrive vraiment au bout. Hein. Donc j'espère qu'elle va arriver rapidement dans les jours qui viennent. Vraiment, parce que là ça progresse à grands pas et je suis vraiment tout en haut. Donc je peux